L'avion était détruit. Il s'était écrasé dans le No Man's Land à un peu moins d'un kilomètre de l'endroit où j'avais été abattu. Wilson, le pauvre, y était resté. Triste pour lui, mais j'avais des problèmes plus urgents. Je dois dire que j'avais l'habitude de me déplacer discrètement. Les bars et leurs portes de derrière, les fenêtres de domiciles conjugaux. Pas besoin de rentrer dans les détails. Après avoir éliminé ces Allemands, j'ai tiré profit de mes talents et je suis parti vers l'ouest. Aussi discret qu'un chat de gouttière. Entre les lignes britanniques et moi, il y avait des tranchées allemandes, des canons allemands. Ah, et la moitié de la population de Berlin qui cherchait à nous faire la peau. Mon jour de chance. Les Britanniques devaient prendre le thé avec des scones au lieu de pilonner les Allemands. Mais il fallait que je franchisse les lignes avant que ces canons ne se remettent à tonner. Sehe ich aus, als würde mich das interessieren?
Hector. Ces tranchées étaient remplies de soldats d'élite du Kaiser. Avec un peu de chance, ils s'attendraient à des ennuis venant d'en face. Avec de la chance. Katastrophal. Du weißt, wenn es hier jemand liest, schiebst du bis Kriegsende Doppelschichten. Nein, so ist das nicht. Ich schreibe eine Geschichte, ein Abenteuer. Eine Geschichte? Worüber? Über einen Hund, der nach dem Tod seines Kaisers durch Europa läuft und nach Hause. Klingt langweilig. Wo ist deine Hilfe?
ab. Thank you.
Du bist der deprimierendste Mensch, den ich kenne. Ich kann ein ständiges Gejammer nicht mehr hören. La dizaine de mitrailleuses que j'avais derrière moi m'incitait à le faire. Le No Man's Land était un labyrinthe de barbelés, de cadavres et de décombres. Mais j'ai tenu le cap coûte que coûte.
Il reste quelque chose d'utile dans les pas? Wilson, on est au milieu de nulle part, faut qu'on s'en aille. Tout de suite. Je peux plus bouger. Saleté. Hey, je suis désolé. T'as promis de me ramener en un seul morceau. Chut, parle moins fort. Et nos médailles, hein? T'as dit qu'on deviendrait des héros. Je suis pas un héros. Qui m'a donné ta parole? Qui me l'a juré? Alors soit t'es un homme de parole et tu vas m'aider, soit t'es un connard de seul menteur qui va me regarder crever sans rien faire. C'est l'heure de jouer carte sur table, Blackburn. T'es pas George Rackham, pas vrai? Le fils du comte de Windsor, mon œil! Tu croyais que j'étais con à ce point-là? Allez, on se tire d'ici. Beaucoup de sang. Il ne restait pas beaucoup de temps pour le rappeler. Tout ça, c'est de ta faute. Regarde, un raid allemand. Les Allemands n'ont pas l'habitude d'abandonner. Ces projecteurs, les mitrailleuses sont braquées dessus. Tire surtout. Vous nous prendre. Dégauche. Que chez nous. On a réussi.
Wilson m'a traité de bon à rien de menteur, et d'autres noms d'oiseaux. Si je l'ai ramené, c'est parce qu'il a probablement raison. Et le fait qu'il ait raison me débecte au plus haut point. Il l'a porté à travers le No Man's Land ? Ce type est un vrai héros ! Il n'a strictement rien d'un héros. C'est un tricheur, un voleur et un menteur. Et il devra répondre de ses crimes. Eh oui, Blackburn. Alors, on t'envoie te mettre au vert ? Je vais témoigner pour toi, tu sais, au conseil de guerre. Ça pourra peut-être t'aider. J'en doute, mais... merci. Il me faut un mitrailleur ! Wilson, moi ! Je veux aider ! Rackham, je peux le faire ! T'as rien à foutre dans les airs ! Wilson ! Si je dois crever, je veux que ce soit là-haut. Amène-toi ! On part tous les deux ! T'es sûr que tu veux pas passer ton tour ? Pas question !